C'est une question relativement sensible parce que elle pose la question de la gouvernance en tant que telle de nos économies et elle pose la question de la redistribution des richesses nationales et au-delà la question du développement et du bien-être de nos populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites, des initiatives qui ont été prises ici et là. Il faut savoir les mettre en œuvre. Il faut développer la capacité de nos gouvernements à contrôler les flux illicites éventuellement ou les mouvements illicites qui procèdent de cette exploitation des ressources naturelles de manière à ce que ce ne soit pas un processus conflictuel mais plutôt un processus harmonieux pour le bien-être de nos populations. There's no need to reinvent the wheel. We have existing mechanisms that are good, but like we were saying, implementation is always an issue. So we have to push for these tools to be implemented. And one of the issues that can the EU, for example, can help us to do is strengthen the capacity. What we are promoting as in ECA is to build, strengthen the capacity of accountable institutions, oversight mechanisms, so that revenues that are taken from the mineral resources are actually benefiting the people. So there should be linkages of the mineral sector to other local sectors. So of the economy, such as that one of the things could be like the building of infrastructure. It could be linking, you know, local, small, not just small scale artisanal miners, but also those local companies, empower them also to be part of this group so that there is knowledge transfer from these mining companies to these people so that there is, you know, gain and then eventually poverty reduction. En Afrique, toutes les guerres, si on les regarde pendant ces dernières décennies, ce sont des guerres qui se situent dans des zones où il y a une exploitation aurifère, les diamants ou le pétrole. Or, si les ressources naturelles constituent des menaces pour la stabilité des communautés de base, ça ne sert absolument à rien. Par contre, nous devons nous battre pour que ces ressources puissent alimenter non pas les conflits, mais le développement. Et comment y arriver? Il faut, à mon avis, d'abord une bonne information de ces communautés de base, mais une transparence dans la gestion, dans l'investissement, et que les retombées, justement, de cette exploitation puissent aller vers les communautés de base, leur créer des conditions de vie et leur offrir les infrastructures nécessaires pour leur développement. Moi, j'attends à ce que l'Europe aide pour le renforcement des capacités des populations, mais aussi le renforcement des capacités de nos institutions comme l'Union africaine.